Français arrêtent de se plaindre, toujours en train de râler. Ça devient épuisant à la longue. Alors là, en ce moment, c'est... Oui, c'est la crise du logement. Mais arrêtez, s'il vous plaît, quelle crise du logement? Oui, effectivement, nous sommes nombreux à être obligés de vivre dans de petites surfaces. Moi-même, ma femme et mon enfant, nous vivons dans un 280 m² et nous faisons en sorte que cela se passe bien. On n'a pas ce qu'on veut dans la vie. Nous aussi, nous faisons des sacrifices, comme les pauvres. La crise du logement en France. Mais qu'on arrête avec ces bêtises, c'est de la mythomanie, c'est n'importe quoi. Écoutez, j'ai entendu ce matin à la radio que le Parlement allait adopter un projet de loi prévoyant la création, écoutez bien, de 24 000 places de prison dans les 5 ans à venir. Alors qu'on arrête avec le logement, s'il vous plaît. Oh, ça devient lassant, hein. Charles-Henri Bis, s'il vous plaît. Oh. Casse-toi, pauvre con, casse-toi, pauvre con, casse-toi, c'est moi le patron.